Donc, Rabotai, alors on commence, Baruch HaShem, avec d'abord un petit truc sur la paracha de la semaine. Avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet. Donc, dans la paracha de Tetzaveh, il y a cette notion, nous dit le Rav Aviner, sur la doune, les kav zechut. C'est pas V, samtai tchte avanim, alkta fotai alfod, avne zikaron, divne israel, venasa aaron, et shemotam bifne HaShem, al shtei. C'est-à-dire, on va, au bout du compte, se concentrer sur ces avnei zikaron. Je vous rappelle que le Kohen Gadol, n'est-ce pas, il a donc ses pierres sur les épaules, le sens obvi, n'est-ce pas, du verset, qui viennent lui remémorer, eh bien, la valeur du peuple juif qu'il porte sur son cœur avec le pectoral, n'est-ce pas, avec les 12 pierres du Roger Mishpat. On est évidemment les parachats de Teruma et de Tetzaveh qui abondent dans les détails du Mishkan, et en l'occurrence pour cette semaine, du vêtement du Kohen. Mais voyons ce que nous dit Rashi, justement. Rashi pose cette question. Ma kavana les zikaron mizocheret. Donc, au bout du compte, c'est la question qu'on se pose. Si ça venait les zikaron, qu'est-ce qu'on est censé se souvenir? À cela va répondre justement Rashi. Sheye roe akadosh bochou et ashvatim, ktuvim lefanav veiskor tzidkata. Au bout du compte, que aux yeux de akadosh bochou, si je puis dire les yeux d'akadosh bochou, évidemment, qu'il voit clairement, ces tribus gravées sur les pierres qui se rappellent eh bien, de sa bienveillance, de leur justesse de notre peuple. Akash Bruis, Koretzit Katab, Jelashvatim. Toujours avoir en tête, encore une fois, la justesse des tribus d'Israël. Yeshinia, Lisko, Etzit Kato, Jelasheni, Gam, Etzlenou, Aolchim, Bedorke, Asher, Mechune, La Doun, Et Travero, Le Kav, Zechout. Il faut avoir en tête que la Doun, Les Travero, Le Kav, Zechout, ce n'est certainement pas être euphorique, ignorer au bout du compte les erreurs de l'un comme de l'autre, mais d'avoir toujours un œil bienveillant à l'égard de son prochain. C'est ça que ça implique. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, tout en sachant pertinemment que nous ne sommes malheureusement pas parfaits, il n'empêche qu'il a toujours un œil bienveillant, un regard d'évoquer eh bien, les qualités qui sont inhérentes, encore une fois, à l'égard de notre prochain. De la même manière qu'il nous est demandé, avec justesse, tu vas juger ton prochain. La doule les rames écoute, l'eau les ramot et tatsmo. Ne pas au bout du compte se mentir, mais l'eau, comment c'est qu'à tout, bécédec. C'est-à-dire qu'au bout du compte, un vrai jugement, une vraie prise de conscience. Mishpat amiti, shel chavero. Une intense, une authentique, une cohérence introspection. Ce qui est vrai entre l'homme et son prochain, vous vous en doutez, est d'autant plus vrai entre l'homme et sa femme. Il ne faut jamais oublier, dans les nombreuses discussions qu'on peut avoir dans un couple, il y a toujours un risque qu'à Dieu ne plaise, qu'on finisse par penser au bout du compte qu'en face de nous, eh bien, chas v'chaïla, on n'a qu'une image, justement, faussée par la colère, faussée par des reproches malvenus. On a une image sombre. Alors, c'est absolument absurde. Justement, on vient jamais en évoquant l'idée que si, au bout du compte, mon épouse, elle a cuisiné tel plat ou, je ne sais pas, elle a fait quoi que ce soit dans la maison, ah, elle a fait ça exprès. Elle a fait ça exprès pour m'énerver. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable, encore une fois, dans la relation de couple. N'est-ce pas? Et donc du coup on ne part pas avec Thérèse Leduc le jour du mariage de votre fille, d'accord? Alors, Ech danim lechav zechut. Comment est-ce qu'on peut réellement juger encore une fois quelqu'un avec cohérence? Kodem kol, c'est-à-dire l'irod et tatmuna akolelet, le regard général qu'on porte justement sur, en l'occurrence sur notre épouse, eh bien elle englobe un certain nombre de qualités, un certain nombre de valeurs avec lesquelles encore une fois vous partagez pleinement. Nachon, yesh chisronot leishto, avesh gam ma'alot. Ter lirot temuna shlema. Ve gam chisronot ula yesh gam yesh la kavanot letov. Quand une fois, le manque qu'on peut trouver chez l'un comme chez l'autre, eh bien, il porte avec lui, au bout du compte, une intention noble et qui a, encore une fois, pour finalité, quelque chose de profondément positif. Oulai, yesh chulcha. C'est clair qu'il y a une faiblesse. On est tous, encore une fois, avec la tension du foyer, la tension de la parnassa, etc. Et on peut être affaibli. Kasher ishpot
est acheté. Il en sera d'autant plus difficile donc, de juger son prochain, puisqu'on ne le juge pas dans une réalité non seulement pas objective, mais en plus dans une qualité, j'ai envie de dire, la plus limpide et la plus envisageable qui soit, puisque encore une fois, on est dans cette pression constante du monde dans lequel nous vivons. Nous dit le Sefer HaTanya, Katouv, Avei, Shafel Ruach, Bifne Kol Adam. Kushia, Ech Efshar Liot, Shafel Ruach, Bifne Kol Adam, She, Baruch Hashem, Ani Yoter Tov Menu. Si on se retrouve au bout du compte, en face d'une personne qui est peut-être, sur certains points, n'a pas les mêmes qualités que vous, ou l'inverse, comment est-ce qu'on peut réellement faire preuve d'une humilité, faire preuve vraiment d'une diligence à son égard? Est-ce que pose la question le Tania, en disant justement qu'on doit être comme ça devant chaque personne. Et Matsavim, je n'imsa ba'en, ou, pemesimot akashot, dans des situations difficiles, dans des missions difficiles. D'accord? Vous aurez beau, au bout du compte, essayer de comprendre, je le dis ça en tout cas pour les hommes, vous aurez beau essayer de comprendre au bout du compte, même de faire genre, vous participez, vous avez de l'empathie à l'égard des douleurs de l'accouchement, vous n'y arriverez pas. Après, venez voir votre épouse en vous disant que vous vous êtes égratigné le petit doigt et que quand même, ça va, toi aussi tu sais souffrir. Non. Vous avez couru pour aller au Chadar Ochel à partir des Midvachim à l'armée. Waouh, quoi la sont dans cette situation-là, encore une fois, rien n'est comparable. Donc, ce qu'il est en train de dire au bout du compte, c'est que toujours, avec Shavel Rouar, c'est pas au bout du compte Shavel Rouar parce que sur tel point, la personne elle est supérieure ou elle est inférieure à toi. C'est de manière générale. C'est par rapport, encore une fois, à deux missions, deux finalités qui peuvent se distinguer, qui peuvent se valoir. Mais n'irait au travail, au bout du compte, dans les missions que ton épouse, elle va traverser. C'est vrai, physiquement, évidemment, c'est vrai aussi spirituellement. Gamba Mouvana Ouchani, Amoussari, Apnimi. Nire Otra, Imotam Yetzarim, Cheshlo. Un exemple que je dis souvent, que je donne souvent aux élèves de la Yeshiva, quand on parle justement de se préserver, Baruch Hashem, dans la pureté. Alors, c'est très sympathique à la Yeshiva d'avoir comme ça, d'être animé par la pureté, d'avoir des pensées qui soient profondément élevées et spirituelles. Je ne suis pas sûr que ce soit si évident que ça quand on est chauffeur de taxi et qu'à 2h du matin, on doit ramener une jeune fille en état légèrement ébréché et qui, semble-t-il, n'a pas suffisamment d'argent pour s'acheter tous les vêtements et de rentrer à la maison et de savoir préserver son regard. Ça me paraît plus compliqué. Et dans plein de domaines. C'est comme si, par exemple, à part pour Noam qui habite Beersheba, donc voilà. Mais c'est comme si, par exemple, j'ai envie de dire, vous disiez, ça va, il faut être ouvert, il faut, les Arabes sont nos amis, et il faut les aimer aussi. C'est comme si, au bout du compte, on parlait avec des langages comme ça, châtiés, à l'égard de ces djoukines. Évidemment, mais quand on habite à Beersheba ou à Akko, venez, vous allez rigoler. Et là, on va voir effectivement à quel point on parle d'universalité, d'amour de l'autre, et de tolérance, et de leur mère. C'est-à-dire, c'est exactement toute la problématique. Ma haïta osé, bematsav kazé, er haïta mitgaber. Comment tu aurais réussi à surmonter cette réalité? Ça, c'est tout le travail. Zou avoda pnimit dola, la dou ne travero le kav zechout. J'aime toujours rappeler, ce n'est pas directement lié à notre sujet, mais j'aime toujours rappeler ce que le Rav Kook met en évidence sur le fait que la Havat Israël, zo miktsoa gadol batora. On a un sentiment parfois quand on parle de l'Ahavat Israël, qu'on a plus affaire à du sentimentalisme, à quelque chose de totalement chitri, alors que ça demande d'abord et avant tout un travail profond pour réellement être capable d'aimer Israël comme il se doit. Et bien, de la même manière, arriver à juger son prochain avec kav zechout, ce n'est pas un euphémisme, ce n'est pas une petite phrase en l'air. C'est un travail constant, encore une fois. Vezé aruba le'ahava benish le'ishto. Et du coup, évidemment, c'est une garantie de lien, de l'amour entre l'homme et son prochain. Et ce n'est pas un hasard. Si justement, eh bien, le Kohen Gadol, n'est-ce pas, il a, c'est pareil que je vais l'apprendre, il a les tribus qui sont gravées sur son cœur, il a les pierres sur ses épaules, c'est une responsabilité constante. C'est vrai par rapport à sa femme, c'est vrai par rapport à vos enfants, Baruch HaShem. Si votre enfant, il casse l'assiette de grand-mère, on va vous voir à quel point vous êtes animé de l'amour, justement.
Et c'est toute la difficulté, toute la problématique. Et c'est une très bonne transition pour le sujet que nous allons traiter maintenant, Bezrat Hashem. Ça va, il y a des questions? C'est clair sur ce que j'ai dit? Bon, alors, nous poursuivons. Ah, mais en fait, je ne vous entends pas. C'est génial. Je range ce problème-là. Très clair. Très clair. Je vais arranger ça. Si j'arrive à l'arranger, sinon tant pis. Moi, je vous entends. Vous m'entendez et moi, je ne vous entends pas, en fait. Vous n'entendez pas? Je pense parce que vous ne m'entendez pas, en fait. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un peut parler une seconde pour que je vérifie que j'entends bien? Oui. Ah, c'est bon, c'est parfait. Yofi. Alors, on commence notre sujet, Baruch HaShem, Birchutrem, sur justement ce rapport à, comme je l'ai indiqué un petit peu en titre, un petit peu évocateur, si on parlait d'amour. Alors, quand on parle évidemment d'amour, la première dimension qui nous est invoquée, vous voyez dans Makor Rishon, avec Bereshit, Vayomer HaShem Elohim, Lo Tov Eyot Adam Levado, Eselo Ezer Kenegdo. Vous connaissez tous ce verset, n'est-ce pas? Adam HaRishon, bien qu'il ait été, au bout du compte, créé traditionnellement à la fois masculin et féminin, il n'empêche que Kadosh Baruch Hu veut lui apporter une aide qui va être justement en face de lui. Et ce surpoint-là que va nous commenter le Akedat Sfak, le Réma, « Ava yaitardut awavim keilu em etzem echad » C'est-à-dire que dès le départ, quand Kadosh Baruch Hu il a créé Adam, il l'a créé au bout du compte, traditionnellement on dit, à la fois avec une dimension masculine, et une dimension féminine. Mais on est dans la notion technique. Je vous renvoie à Rassel Ovechik, évidemment, avec le Ishaïmouna Abodel, le croyant solitaire sur cette problématique-là. Le fait est qu'il faut, au bout du compte, eh bien, qu'il y ait une relation de, justement, de rencontre entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que deux éléments qui, au bout du compte, reliés par l'amour, ne font qu'un. En etzem echad. De la même manière que va nous dire le Meiri, en ava qui rouvre Adat ve Shivu Yaratson. Donc on est encore une fois dans la cohésion, dans une sorte d'égalité, encore une fois, de volonté. Nous sommes dans cette même ambivalence. Seulement, quand on parle d'amour, on sait qu'on parle évidemment de l'amour de son épouse, mais on parle aussi de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, par le biais de la lecture du schéma, l'amour des enfants. Il y a plusieurs formes d'amour. Mais pourtant, tous sont appelés à Ava. Donc, il nous faut essayer de comprendre. Malgré tout, ça ne suffit pas de dire ce sont différents types d'amour. Il nous faut essayer de comprendre quel est le point qui relie, si je puis dire, eh bien, ces différentes manières d'aimer. Mais dit le Rav Eliezer Kashtiel, encore numéro 4, dans une drasha qu'il avait sur Parashat Vayetranan, Kriyat Shema, Atufa Bituim Shekshurim Lav. On sait très bien, on le dit plusieurs fois par jour. Donc il y a cette évocation d'amour. Encore une fois, attention, juste avant de dire Shema Israël, on est dans l'amour. Quand on parle de Shema Israël, on est dans l'amour. On a parlé tout à l'heure de l'amour entre l'homme et sa femme, qui au bout du compte, c'est une sorte de cohésion, une sorte de réunion entre deux êtres, de la même manière que d'une certaine manière, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est réellement faire un avec lui. Comme il est bien connu, Ava Begematria, Echad, n'est-ce pas? 13. Amzou Yatsarti, dans la même optique. Non seulement c'est un amour de la créature pour le créateur, mais c'est aussi un amour du créateur pour la créature. Am zu yatsartili, je me suis créé un peuple, zu gematria 13. On est unis, encore une fois, cette réalité. Meuchad imada, im erich. Kedeliot, meuchad behemet, yeshna shleshlavi. Donc, justement, très intéressant ce que nous faisons Laurent Kastiel, il y a deux manières, au bout du compte, de réellement faire un avec l'autre, avec l'être aimé. Première dimension, nous dit le Rav, Shlav Echad, Ardout Bamaasim. Chez Yoter Yoter Maasim, Yukshurim, Mechubarim, Mutamim. Plus au bout du compte, on fait des choses ensemble, on fait des choses communes. Tu mets les tefillin,
Akash Bokhou, il met les tefilin. Tu manges du couscous, Akash Bokhou, il mange du gefilte fish. Il y a une cohésion. Mouvilim, aide, erech, mesuyam, aide, matara, mesuyamet, avec une même finalité. Chez Adam, on aime notre travero, quand on aime son prochain, zemashpia al-kach, chez Arbe, meod achlatot, chez l'obachaim, ou bemaasim, yumitor, itrajvout, bachaver. La chevruta, on est encore une fois dans cette optique, qu'on est influencé, vous vous rendez bien compte que celui en quel vous avez de l'affection, eh bien, quand vous prendrez une décision ou quand il vous fera une remarque, ça aura de l'importance pour vous. Alors qu'à l'inverse, celui dont vous vous fichez éperdument, peu importe ce qu'il ouvre la bouche, ça n'aura aucune implication sur lui. Ni sur lui, ni sur vous surtout. D'accord ? C'est comme quand il y avait un député, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un député qui avait dit au sujet, je ne sais plus si c'était au sujet de Itamar Ben-Gvir ou de Smoutrich, je ne sais plus qui, il y avait un député qui avait évoqué l'idée, je ne dis pas le nom du député parce que je ne veux pas dire du mal de Yair Lapid, et il avait dit effectivement que c'est là il y a un doute. Non, mais quand encore une fois Yair Lapid se prétend être détenteur de l'authentique judaïsme, bon, bah, on rigole. Ça n'a pas beaucoup d'implications, vous comprenez, c'est pas, ça ne va pas nous faire avancer le public, quoi. Mais s'ils avaient été Chazal Chaïla, l'Avdi Alfa Avdalot, comme Mori Arav, qui avait dit, au bout du compte, ça, ce n'est pas du judaïsme, c'est Natsrout, d'accord ? Alors évidemment, ça aurait une autre implication. Donc il est évident que plus on est rattaché à telle ou telle valeur ou telle personne, plus encore une fois, donc on a ce lien d'amour qui est rattaché dans le propos qui est tenu, et donc automatiquement il y a des actes communs, il y a une association commune, automatiquement, eh bien ça vient renforcer le lien entre nous. מתוך שיתוף פעולה עם החבר, מתוך רצון שהדברים יעלו בקנה אחד, עם רגשותיו של החבר. Ça va ensemble. On est dans la même lignée, dans la même, en symbiose totale. מעל מדרגת האהבה, המעשית, maintenant, au-dessus de ce rapport d'amour, encore une fois, au niveau de l'acte, là, il y a un niveau supérieur. Nous dit le Rav, יש אהבה עליונה שבלב. אהבה עליונה שבלב, שפירושה ריכוז נפשי עמוק, Benoavi, il y a une concentration. C'est plus seulement on a des actes en commun, c'est juste au bout du compte de se retrouver, n'est-ce pas, ensemble. Pourquoi ? Pour rien. Vous vous rappelez évidemment de « Je rêvais d'une femme que j'aime et qui m'aime ». Ça vous rappelle Paul Verlaine, il a fait. Et ben, c'est exactement cette dimension-là. Vous vous retrouvez au bout du compte avec votre épouse, votre meuf, elle est avec vous, et au bout du compte, eh bien, pourquoi vous êtes ensemble comme ça? Il y a mille et une raisons qui font qu'au bout du compte, vous avez ce sentiment d'être ensemble, mais malgré tout, il n'y a aucune... vous n'allez pas rationaliser ce qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est Oavim Elionim, Oavim Behemet. On n'est pas en train de justifier le lien qui nous rattache. L'Oakosim, Devarim Shani Tardout, on n'est pas seulement en train de faire des choses qui vont évoquer cette unité, mais... Marchevota, Veregeshotem, Kulam, Samivardut. On est dans cette cohérence. C'est parce que c'est elle, c'est parce que c'est lui. Shadam Osemet Mizvotav, et visé d'Akash Borou, quand on accomplit les actes du Créateur Belev Taor, avec ce cœur justement animé par la pureté, les Lochesbonot, donc c'est encore une fois sans aucun intérêt, sans recherche d'ego, sans recherche. Non, juste dans cette union, dans cette symbiose avec Akash Borou, Hashem Echad. שהמגמה והכוונה בחיים יהיו ללא תוספות, ללא חלקיות, אחד, אחד לגמרי. Ensemble, encore une fois, sans scorie, sans distinction, sans au bout du compte la recherche de qu'est-ce que je vais en tirer, qu'est-ce que je vais en profiter. J'ai toujours coutume de dire que quand une femme ou un homme dit au bout du compte pourquoi je dois l'évater pour mon conjoint, rien que cette phrase, elle est problématique. Même si c'est vrai, si ça peut apparaître vrai concrètement, mais la phrase en tant que telle, elle est problématique. On n'est pas en train de l'évater pour l'autre, on est ensemble, on construit encore une fois justement cette notion de couple à la fois au niveau des actes, à la fois au niveau du cœur. C'est comme a dit c'est comme avait dit le Rav Jean-Jacques Goldman, okay,
On ne sait pas où on allait, mais on allait ensemble. C'est dans 1, 2, 3, ceux qui connaissent, les amateurs. Aval, c'est là. Il y a cette notion-là, encore une fois, du cohérent, peut-être de cette cohésion. Et poursuivons avec le Rambam. Adi Omar Adam, Areni Osei Mitzvot HaTorah, Vosek de Chokmata, Kede Shekabel Kol HaBerachot HaKtuvot Ba. Traduction libre. J'amène des fleurs à ma femme pour qu'elle me fasse la meilleure couscous de la terre. Ce n'est pas une traduction que j'ai faite. J'ai juste extrapolé avec la femme. Si tu fais au bout du compte des mitzvot, des machins pour atteindre une sagesse, pour qu'on te dise « Oh, le beau Shtraimel, oh, le grand rabbin », alors on a un problème. Ah, la vérité, « Oh, Kedei, Sheske, Lechaim, là-bas. » Ou même pour genre avoir allez, une part au monde futur. J'ai un carnet, je note. Non. « Mais Frosh mina averot, Sheizira, Torah, Meel, Kedei, Sheinatsel, mina kudalot, pour qu'au bout du compte, je n'ai pas de problème, comme l'a fait Yov, Akturot, Batora, Kedei, Shelo, Echad, Mecher, Olamaba. Que je ne sois pas détruit. En Raoula, Vodet Hashem, Aldeyachas. Ce n'est pas cohérent. Et c'est pareil dans le cadre de la famille. Alors que, Aoved Mi'ara, Osek Batora, Obe Mitzvot, Ve Oler Benetivot, Achokma, quand une fois, il va œuvrer dans la Torah, dans les Mitzvot, les voies de la sagesse, L'homme Ipne d'avoir Baolam, Ve L'homme Ipne Iratara. Pas parce que tu as peur qu'il t'arrive une tuile sur la tête. Non. Et là, Ose a émet, Mipne, chez où émet. Tu veux faire la vérité parce que c'est vrai. Mais sauf à Tova, la Vobigala. Et c'est grâce à ça, au bout du compte, où la vraie bienveillance, le vrai bien, il arrive au bout du compte. Umaala Zou, Imaala Gdola. Évidemment, un niveau très élevé, très joyeux, très, 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 très souhaitable, mais très élevé. Ve'en kol chacham zochela. On n'a pas tous le privilège d'arriver à ça. Donc, c'est un travail. Il est clair que nous met ici le Rav en référence la valeur d'Avraham. Malat Avraham Avinu. Shekaro Akadosh Baruch Hu Oavo. Ine. Akadosh Baruch Hu a appelé Avraham, mon bien-aimé. Les fils chez l'Oava, de l'ami Ava, parce que justement, Avraham Avinu a honoré Akadosh Baruch Hu dans cette sérénité, dans cette joie, juste pour le bonheur d'être en symbiose, comme j'aime le dire, en Bluetooth, parfait, total, avec Akadosh Baruch Hu. Et l'ami Ava. C'est exactement ce qu'exige de nous Moshe Rabbeinu par le biais de la Torah dans Sefer Devarim, la parole de Vaitranan, ou Bizman Sheyohov Adam et Hashem. Et quand justement l'homme montre l'amour qu'il a pour Akadosh Baruch Hu dans sa grande dignité, Miyad Yasekol Amitzvot Be'ava, du Me'ava. Du coup, eh bien, cela l'encouragera justement à accomplir les mitzvot comme il se doit. Atkan, pour ce rapport, encore une fois, d'amour, mais orienté, axé sur le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. On ne va pas s'arrêter là, parce que de tout ce que je vous ai soulevé maintenant, et on va poursuivre encore un petit peu, eh bien, on va en tirer justement la problématique de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme et la réflexion qui doit en sortir. Regardez la suite, le Rav Kook dans Rota Kodesh, Makom numéro 6. Agdusha eina nilchemet klal keneged ahava atzmit advoa amok be'amkei nefesh kol chay. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de dire ani mevater, je m'annule juste pour faire plaisir à ma femme, ça c'est un manque de compréhension de ce que c'est que l'amour. La sainteté justement, et en ce qui concerne le rapport à Kadosh Baruch Hu, mais aussi entre le rapport avec ton épouse, eh bien n'inscrit pas, n'inclut pas l'annulation de moi. Non, certainement pas. Je pense que tous ceux qui sont déjà jeunes parents s'en rendent bien compte. On a le droit, entre guillemets, d'être égoïste. On a ce privilège de pouvoir être égoïste avant d'avoir des enfants. On se rend bien compte que dès qu'on se marie, déjà on passe à un autre stade. Et alors, bien quand on devient père de famille, il n'y a plus de place pour l'égoïsme. Il n'y a plus de place pour l'ego. On est œuvré, on œuvre encore une fois par cet amour de l'autre constamment. C'est comme ma chéyot terrié, oev et atzmo, kachait pachat, ispachet atov, shebo, à la colle. Et donc l'amour de soi, encore une fois, le vrai amour de soi, il implique l'amour de l'autre. Il est englobé dans l'amour de l'autre. Al kol azviva, al kol haolam, ve kol havaya. Toute la réalité, vous aurez un regard bienveillant, un regard justement constructeur
à l'égard de la réalité qui nous entoure. Achar nous dit le Sefer HaChinuch. Une fois, après être passé à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, donc on a bien compris, pour que ce soit bien clair dans votre tête. Je parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'amour évidemment le plus élevé, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on met en évidence la volonté d'être un avec Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit, dans les actes et dans la pensée. Ce rapport-là, quand au-delà, ou en tout cas plus facilement dans le rapport d'Akadosh Baruch Hu, cette implication-là, elle ne vient pas m'abaisser, elle ne vient pas justement m'amenuire, au contraire, elle va me donner encore plus de valeur, encore plus de sens. Maintenant, je passe à l'amour de mon prochain. Le Sefer HaChinuch nous dit comme cela, Léof, Kolechad, Misraël, Ahavat, Nefesh, on retrouve ce qu'il est coutume en général de rappeler au nom du Rambam, n'est-ce pas, sur justement les lois sur l'Ahavat Israël, le fait d'avoir clairement de l'empathie à l'égard de la joie que mon prochain peut avoir, comme que Dieu préserve à l'égard de la tristesse qu'il peut avoir. Que la marche Nachmol à l'Israël, Val Mamono, que Moshe Adam, Chomel à l'Atzmo, Ve Mamono. Et c'est à l'Acha. La difficulté du coup, c'est vraiment d'être conscient de cela, que j'ai coutume de dire, c'est ton prochain a gagné au loto, tu es content pour lui comme si c'est toi qui avais gagné au loto. Et ce n'est pas toujours évident. À la fois sur financièrement, et à la fois sur un bonheur qu'il a pu physiquement, mentalement, etc. avoir, et aussi spirituellement. Arbe mitzvot sheba Torah kliot becha. Beaucoup de mitzvot dépendent de ce lien-là. Shaoev chavero ke afsho, lo ignob mamono, velo inav et ishto. Si réellement tu aimes ton prochain, tu ne vas pas au bout du compte vouloir lui voler son bien, tu ne vas même pas regarder sa femme, etc. etc. La ville, évidemment, entre son bien et sa femme. Okay? Velo yassik voulo, pas le mettre de frontière. Velo yaziklo, il ne va pas lui porter atteinte. Mais shum tzad, ren karamitzvot achrot, vous l'avez baisé. On voit encore une fois à quel point les implications de cet amour. Je veux que vous ayez dans un coin de votre tête que pour l'instant on a parlé de l'amour et ça paraît très philosophique et très élevé et très moral. Et il est où le rapport physique ? Est-ce que je m'adresse tout en essayant évidemment d'avoir des termes les plus soyés, mais en tous les cas, on parle d'un cours pour des jeunes couples. Donc, il y a aussi une dimension physique qu'il va falloir essayer d'évoquer. On va y arriver, Bezrat Hashem. Poursuivons d'abord avec les propos du Rav Kook dans Orot Israël. Avat Israël, ve avoda shel la sanegoria à la klal ve à la pratim, et nena akavoda arikshit levada. On n'est pas dans du sentimentalisme. La problématique, c'est qu'encore une fois, aux yeux de beaucoup, quand on parle d'amour, et j'espère qu'on a bien compris que j'ai évoqué exactement l'inverse en commençant cette étude, que ce lien d'amour n'est pas d'abord et avant tout du sentimentalisme. Ce sentimentalisme, il existe, mais on va y revenir. Mais le lien d'amour commence d'abord, encore une fois, à s'insurger quand on va blesser, justement, Am Israël. À titre personnel, quand quelqu'un va oser dire au bout du compte une remarque désobligeante à l'égard de votre épouse ou à l'égard justement de votre prochain, il est évident que eh bien, vous êtes un bouclier. Et pas justement parce qu'il y a un sentiment qui est tout à fait légitime, mais ce n'est pas seulement parce qu'il y a un sentiment entre vous qui fait que. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que le Rav poursuit que justement, ce n'est pas seulement ça la Avat Yisrael. Kim, Miktsoa Gadol Batora. Donc une étude qui demande à être poussée. C'est une sagesse profonde qui encore une fois, qui a plein de ramifications. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, l'amour de son prochain, l'amour de son épouse. Et tout cela, kulam, somchim, veyonkim, mileshet tal, or Torah tressé. Tout cela provient encore une fois de la Torah, de cette volonté bienveillante qui est dépeinte dans la Torah. Je vous rappelle aussi ce que Rabbi Aaron de Barcelone, de Akko, c'est un chinuch a la coutume de dire sur le fait que celui qui n'est pas capable d'aimer une femme n'est pas capable réellement d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc on voit qu'il y a encore une fois des similitudes dans ce lien d'amour. Poursuivons. Asimpatia, nous dit le Rav Kook Makor numéro 9. Asimpatia et la Tov, l'Oterdal miot netiatenu atadira. Donc au bout du compte, ce lien d'affection, ce lien d'amour que je vais avoir à l'égard de mon épouse, et je reste concentré sur cette problématique-là, il provient du fait que j'ai envie d'être attaché au bien.
en épousant votre épouse sous la roupa, il est clair qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle qui s'est encore une fois rattachée à ce moment-là, et cette étincelle-là, c'est celle qui nous anime. Cette étincelle-là, évidemment, c'est l'expression du bien divin. Tova Elahi. Asher Yitgaleh Beroach Mishpat, qui va se révéler encore une fois dans les actes. Od Yofia et Barke Zohar, Yotem Avikim, Meoto Atom Ashitri. Beaucoup plus qu'encore une fois qu'un bien, justement, qui se limite, j'ai envie de dire, à être romantique. Beaucoup de gens recherchent, encore une fois, l'amour d'Hollywood, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Amit Galé Be'ava, Santi Matali, exactement ça. C'est quoi l'amour, justement, tronqué, erroné, auquel beaucoup font référence, quand on a des chansons d'amour, la plupart du temps, comme la noire, là, chaque fois j'oublie son nom, et j'ai entendu parler de cette grosse noire, Matamura, Kalaka Tamuta Tabolamura. Bref, il y a une chanteuse comme ça en France. Eh ben, au bout du compte, toutes ces chansons-là qui ne font pas parler d'amour au sens qu'on est en train d'évoquer maintenant, ils sont en train uniquement de parler d'un amour sentimental, d'un amour romantique, d'un amour bas, de bassesse absolument grossière et vulgaire, et qui justement ne peut pas être autre chose que, encore une fois, ponctuel et coupé. Asher loteda l'irbosh lefanea et ochot achayim. Elle ne va pas justement donner sens à réellement à la vie. Velenael beit sata et achevra aenoshit bechol kroki raya. Et du coup, eh bien, elle ne pourra pas mener cette humanité à cet amour encore une fois authentique. Et là, j'arrive, j'ai envie de dire, au cœur de mon propos. Grâce au Rav Avinel. Il faut savoir que en hébreu, on a un mot pour parler d'amour. Ava. Le problème, c'est qu'en grec, ce même mot a eu 4 traductions. Et ces 4 traductions, encore une fois, elles sont essentielles pour comprendre les différentes nuances et ce qui a amené, malheureusement, eh bien, à des déboires absolument colossales. Et là, ce que nous dit le Rav Avinel. Rabotai, c'est clair ce que je dis maintenant? Benjamin, je vois qu'il a fait signe que non. J'étais... C'est clair, c'est clair. D'accord? Archa. Le Rav Avinel nous dit comme cela. Beivri, Yeshmila Ikarit, le Kach, Veyava. היוונים שכידוע היו אנשים מסודרים מאוד, היו ארבע מילים כדי לתאר את האהבה. אירוס, פתוס, פיליה ואגפה. C'est 4 mots là qu'on va devoir expliquer. Eh bien, ils mettent le doigt sur toute la problématique. Par exemple, et encore une fois, j'essaie d'avoir les mots les plus justes qui soient pour que vous compreniez bien. Eros, meshicha, physit. Quand on parle de Eros, on retrouve évidemment le lien avec l'érotisme. On est dans l'attraction physique, l'attirance physique. Pathos, sympathia. On est dans le sentiment. On partage quelque chose. On a de l'empathie. Empathie, okay? Empathia, c'est je partage, je souffre avec lui. Sympathie. Meshicha, rikshit. Filia, yedidut. On connaît le terme de philosémite. C'est celui qui, au bout du compte, eh bien, il aurait tendance à aimer les Juifs. C'est pas philo. On a un lien, on a un lien d'appréciation. Adam Somer al Chavero, okay, et une confiance de l'un pour son prochain. Et enfin, agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ava Elaït, Ava Tachem. Pour remarquer tout de suite que dans ces 4 mots d'amour, eh bien, il y en a 2 qui sont purement physiques et 2, j'ai envie de dire, qui sont purement spirituels. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très intéressant et peut-être même très troublant. On dit le Rav. Quand les gens parlent d'amour, automatiquement, ils vont mettre l'accent sur ces 2 dimensions-là. Il est rare qu'au bout du compte, on parle d'amour dans d'autres domaines que ces 2-là. C'est l'utilisation quotidienne. Shtei, miyatzbot, miyatzgot, ava, nemucha, fizit, orikshit. Be'aven TV, eros ou patos, ne'elamim bekesher azubi. Aujourd'hui, vous êtes marié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qui se passe après? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui se passe une fois que ce pathos, une fois que ce héros, eh bien, il s'est estompé un petit peu? Ben, on arrive au bout du compte à la conclusion, selon la logique, et notamment occidentale, qu'au bout du compte, eh ben, on s'est aimé avant, mais maintenant, on ne s'aime plus.
Mais à la vérité, ce n'est pas vrai. À la vérité, ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas aimés. Seulement, ils ont aimé au sens de pathos et au sens de héros même pendant les premières années du mariage. Et ce qui se passe après, malheureusement, ce qu'eux n'avaient plus de l'amour, peut-être qu'ils ne l'étaient pas à l'origine. Vous comprenez la problématique? Tous ceux qui, encore une fois, j'ai envie de dire, suivent une certaine conduite avant le mariage, en mettant en évidence le fait que, justement, eh bien, on se préserve avant le mariage. On sait pertinemment ce que ça a donné, ce que ça a donné suite. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, il y a une prise de conscience, encore une fois, des valeurs qui nous rattachent, qui ne sont pas un rapport, justement, physique, et de cela va se développer le lien physique. Mais quand ça se passe à l'inverse, c'est-à-dire, on va essayer d'habiter ensemble. Parce qu'avant le mariage, on essaie d'habiter ensemble. Et comme j'ai vu qu'elle ne fermait pas la bouteille de shampoing, ça me pose un gros problème quand même. J'ai vu qu'il ne lève pas la cuvette quand il va aux toilettes, c'est très désagréable. Donc, je ne crois pas qu'on va se marier. Il y a des vraies raisons, hein. ce n'est pas des raisons, des petites raisons, c'est des raisons importantes. J'ai vu que tu mangeais du pain de mie et pas du pain blanc et pas du pain noir, c'est terrible, on ne peut pas se marier. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça le problème. Il nous dit le Rav qu'il y a des recherches qui ont été faites. Quand le héros et le pathos sont passés, qu'est-ce qui se passe après? La reine, on est un noir arabe. Yesh ribouy shel mikrei girushin ou bgidot par Hevra modernit. Nous qui avons grandi en France, il faut quand même avoir en tête les fameuses pièces de théâtre de boulevard qui sont quand même la quintessence de la comédie française, à savoir le mari, la femme et la maîtresse. Parce que automatiquement, justement, l'amour entre un homme et sa femme, selon ses paramètres physiques, il passe. Yesh markarim shemarim ke eros kayam bechayazugiyut ke shalosh shanim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, d'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Frédéric Becbédé. Il a un livre comme ça qui s'appelle L'amour dure 3 ans. Au bout du compte, je n'ai pas été vérifier la justesse de ces 3 ans ou non, mais il est certain qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui existent pendant 3 ans et qui s'estompent pour arriver à d'autres choses après. Pas moins important, mais autre chose après. Et donc, si on a défini ça comme étant l'amour, alors on a un problème. Quelque part, on a malheureusement réduit l'amour à quelque chose de beaucoup plus succinct plutôt que, justement, tout ce que l'amour englobe, comme on a essayé de le montrer avec l'amour d'Akash Bokhu, l'amour de son prochain et, par conséquent, l'amour de sa femme. Eros ou gouverna, puisqu'on est dans le eros, on est dans la recherche du plaisir physique. Pathos ou regesh. Regarde, mon cher état Adam, j'aime ma femme. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle est très sympathique avec moi, physiquement, ou elle me fait le meilleur couscous de la terre. Si jamais il y avait un problème à un moment donné, ras vechaïla au niveau du couscous, alors peut-être que, en fait, je l'aimerais moins. Ou regesh, ou physique. Tout ça, c'est construit au bout du compte. Ou banu yala dimion, chez gam hu, mosher et ta'ada. C'est ça qui attire l'homme au bout du compte. Je n'ai pas dit qu'on est méprisant là-dessus. Et c'est très dangereux quand tout tient là-dessus. Eros, epatos, baim el adam, baal kocho, bepitomiut. Il n'y a plus de réflexion. Quand on est en train, au bout du compte, d'être admiratif d'un maquillage, d'une robe, de ce que vous voulez, on n'est pas dans la réflexion. Et c'est très bien. Ça vient soudainement. Mais est-ce que c'est réellement de l'amour? C'est un sentiment qui peut être, on fait partie, mais ce n'est pas au bout du compte, ça serait réduire l'amour à ce que ça n'était pas. Keshem shem baim kar, en elamim imenu. Ça vient aussi vite que ça repart. Lachel. Yev jarliv not aleem sidreola. On ne construit pas un couple là-dessus. On ne construit pas un couple sur puce-puce, mouche-mouche, couche-couche, mon poussin d'orge, mon sucre d'argent et je ne sais pas quoi d'autre. Je n'ai pas que ce n'était pas important, mais on ne construit pas au bout du compte, justement, son couple sur ces valeurs-là. On les construit justement
d'abord et avant tout sur les deux valeurs essentielles qui sont au-dessus de cela. Afilia et Agapa. Bnouim al-Ashka. Que ce soit l'amour, justement, l'appréciation de son prochain, la confiance qu'on construit avec son prochain et l'amour d'Akash Bohru qui sont dans cette même structure, ce même paramètre, eh bien, demande, encore une fois, de l'investissement, de la compatibilité, de la sociabilité. Ashka'a, Adadiyut, il y a une dimension morale à cet amour. On est ensemble avec mon épouse quand on a des combats à mener. On est ensemble quand il faut éduquer nos enfants. On est ensemble quand il faut profiter du repas de Shabbat. On est ensemble dans toutes les valeurs, encore une fois, qu'on est en train de défendre et qu'on est en train de mettre en place. Le héros et pathos est Marquis Moussari et l'égoïsté. Toute la problématique, justement, évidemment, du héros et du pathos, c'est ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est moi. C'est quel plaisir j'en tire. Alors que l'autre, il n'est pas justement dans cette dimension-là. Adam et Chapes Taosher, Shelatzmo. Tout commence encore une fois à la recherche personnelle, individuelle et égoïste. Donc l'amour auquel on fait référence, il est clair qu'il n'est pas négligeable cet amour de soi, mais il ne peut pas venir au détriment du réel amour et de l'authentique amour du foyer. De la même manière que je dis souvent aux jeunes couples que quand le mari va étudier la Torah après le mariage, le mari doit le comprendre et la femme aussi doit l'entendre. Ce n'est pas une étude de la Torah individuelle. L'étude de la Torah du mari, c'est une étude pour le foyer, pour le couple. Et c'est fondamental que c'est dans le ciment de ce foyer. De la même manière, au bout du compte, qu'on a tous, peut-être je parle comme mon nom, mais on a tous tendance à dire « je vais aider ma femme ». Cette expression en tant que telle, elle est très problématique. On ne s'en rend pas toujours compte, mais elle est problématique. Tu ne vas pas aider ta femme, tu vas construire le foyer avec ta femme. Rav, tellement c'est problématique, moi je dis jamais ça. Kolakavod Eitan. Je savais que je pouvais avoir confiance en toi. Achav, Befilia, Adam et Chapez et Taosher, Gam chez la chérie. Il m'importe, encore une fois, que ma femme soit heureuse. Il m'importe que ma femme soit sereine. Et c'est aussi une valeur pédagogique. Quand au bout du compte, Hachem, la préparation du Shabbat et que mes enfants parfois ils sont toujours un peu rêveurs etc. et qui disent c'est bon mais on n'a rien à faire, j'ai fait si maman elle est debout en train de faire quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça rentre dans cette problématique là Agapa chez Ahava Rouhani, donc cet amour de Dieu maintenant qui lui est spirituel sans aucune condition, Ahava Tachem, Ahava Tachesed les lore et Vachishi, sans en tirer encore une fois une abondance. Et vous ne serez pas étonné si l'amour entre la Kadosh Baruch Hu et Am Israël, eh bien, je vous rappelle, il est évoqué sous cet angle des fiançailles. Arastir Leolam. C'est-à-dire que même si effectivement, on n'est pas fiancé quand on est marié, mais il doit rester cet élément de fiançailles, cet élément justement de Ahava Shainat Lui Abadava, cet élément de Ahava dont on ne va pas en tirer un intérêt si ce n'est juste le fait d'être ensemble. Rov anashim, marchivim et taeros, vet apatos, velachen emit garshim. Je pense que ce postulat est clair quand on met en évidence uniquement le héros et le pathos qui constituent, et justement qui ne constituent pas, qui ne doivent pas constituer le ciment de notre foyer. En ahava amitit, i be'omekaratson v'amachashava ve'ilanetzar. Donc, ce n'est pas vrai que les couples sont aimés. Les couples n'ont pas travaillé sur ce qu'était justement l'authentique lien à l'amour. Et c'est ça, au bout du compte, que nous construisons dans le foyer. Je termine avec ces deux sources, avec votre permission. D'abord, le Rav Kook, maintenant numéro 11, quand il dit justement que Aemuna Mishparti ou Tolada Ve'amshacha Kivit Me'ota Aemuna Agdola Sheruya Be'emek Ahava. Ok. Be'emek Ahava, pardon. La confiance dans la constitution justement de la famille, du foyer, eh bien, elle est intimement reliée à justement à cette fidélité au projet divin de cet amour qu'Akel Brou eh bien permet de résider dans la réalité. Apoelet beruachayim, besechel elyon umefoa. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. La correspondance totale, parfaite, qui se construit à chaque étape. Tout le monde, comme vous le savez,
est une réalité organique, où il y a un lien étroit entre chaque membre de la création. Et d'autant plus, encore une fois, comme base de la famille. Ce n'est pas on va se marier parce qu'il faut absolument, on a l'instinct de survie. Ce n'est pas on va avoir des enfants parce qu'il faut penser à la suite. Non, il y a une valeur au foyer en tant que telle. Ameïla, amishpartit, imeïla, meareset, etaïchiyut, amaamidot, etaïetzira, vekochote, abola, maklali. Est-ce que le RAS qui dit est absolument terrible? Parce que l'ONU et l'UNESCO, malheureusement, ces enflures, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire. C'est casser justement ce rapport à la famille. Nous dit le Rav, détruire la famille, mentir, ne pas comprendre le lien de fidélité qui est constitué justement par ce lien au foyer, ne détruit pas seulement le foyer, il détruit la personnalité et il détruit le monde entier. Toutes les forces du monde, eh bien, malheureusement, sont souillées à cause de cette volonté de détruire la dimension à la fois active et spirituelle de ce foyer. Ça détruit tout de son passage. L'amour romantique, justement, à la différence de ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, l'amour romantique détruit tout de son passage. On est dans Hollywood. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu la voisine. Oh là là, je suis tombé amoureux d'elle. Ou le voisin, ça dépend des affinités. Justement, c'est tout le problème. Ce lien-là est un lien, encore une fois, qui n'a aucune base solide. Donc, quand on parle de ce parallélisme entre l'amour d'Akash Bokhu, l'amour de son prochain, l'amour de ses enfants, l'amour de sa femme, oui, il y a un dénominateur commun. Il ne va pas forcément s'exprimer toujours entièrement, évidemment, de la même manière. C'est là où, justement, quand on enfreindrait les limites d'une autre manière, mais il a un dénominateur commun. C'est cette idée, justement, eh bien, de constituer l'essence même de cette identité. Bemeridat aseder. Quand on va justement se révolter contre cette cohérence telle qu'elle a été inscrite par le Créateur, are hem isod aerus. Aerus aolami, aerus aorgani. Vous voyez, aerus amishparti, aerus anishmati. Tout est détruit. Achirat achraim omeratam. Toute la valeur de la vie, toute la valeur de la société, encore une fois, est remise en cause. Et celui qui se relie à Kadosh Baruch Hu, celui qui montre sa fidélité, sa vaillance, encore une fois, à l'égard de Kadosh Baruch Hu, aval mevakesh utaemun Elohi, est un étif de l'orachaim, qui veut se relier justement à l'élan vital, ou bo yavo haor, et c'est là où va apparaître justement cette luminosité, eh bien, comment il peut arriver à cela? Justement, le tochen de binyan mishparti, ben Hashem el haolam, ou ben kol ma'asav yofia yidayit galut haemunat amen. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui permet réellement d'avoir cette stabilité et de se relier à l'essence même du pourquoi de la création, c'est-à-dire d'être relié au Créateur, c'est par le biais de ce foyer qui est constitué. Et donc, encore une fois, la valeur de ce foyer constitué ici en Israël. Et donc, l'image, comme je vous disais à l'instant, qui est utilisée par le verset dans Shéa, « Arastir li leola »« Tu es ma fiancée pour l'éternité »« Arastir li betzedek ou bemishpat » On est fiancé par voie de justesse, bechesed ou berachami. De la même manière, comme j'ai coutume de l'évoquer, le passage sous la choupa, ce n'est pas une cérémonie nuptiale. Ce n'est pas on s'aime, ce n'est pas on a habité ensemble, ce n'est pas je ne sais pas quoi, et maintenant on va faire une cérémonie religieuse pour aller la petite cerise sur le gâteau. Non, certainement pas. La choupa, elle a été là pour nous faire comprendre encore une fois la valeur essentielle de ce qui me relie à ma femme et de ce qui relie ma femme à moi. Ce lien-là est animé encore une fois, c'est sur ce pilier que tient justement eh bien, le monde. Vous voyez le terme pour la fin du rav, Aemun Amishparti, Be Ibanoto, Be Shichlolo. On passe son temps à se construire, à perfectionner justement eh bien, ce lien d'amour dans le foyer, cette constitution du foyer. Sa bonne mesure de tout ce qui va nous relier l'un à l'autre. De la même manière que j'ai coutume de dire que quand justement, eh bien, vous rappelez, on a souvent évoqué l'importance de la sikha dans le foyer, de la sikha d'un homme avec sa femme, comme on dit, la conversation, la communication avec sa femme, et que justement, eh bien, les enfants ont besoin de quelque chose, ce n'est pas du tout
leur faire injure que de dire aux enfants, Hamoudim, vous restez une seconde, je suis en train de parler avec maman et maman me parle. Parce que lui, il y a un message pédagogique qui est sous-jacent à cela. C'est que les enfants voient qu'il y a un lien important entre papa et maman, dans la crise de rire entre papa et maman, dans la blague que seul papa et maman comprennent. Il y a une valeur en tant que telle. Et quand on met ça justement au centre, alors on est certain que non seulement le foyer, que non seulement l'amour tient la route, mais même, comme je vous l'ai dit, que tout l'édifice tient la route. « Abilti maoul ben ish la ish ben akol le akol » Et je termine avec votre permission, avec les propos du Rav dans Enayam, accord numéro 12. « Oré, chez binyan amishpacha enoshit » On comprend, j'espère, que la constitution justement donc de la famille humaine, comme je dis, ce n'est pas seulement par instinct de survie ou par il faut une association commune. Il y a des influences bilatérales entre vous et votre épouse et entre votre épouse et vous. Le regard qu'on a sur les choses, le sentiment qu'on a sur les choses. Kiriksha yofi vatiferet. On s'élève, on a commencé notre étude en rappelant Ezer Kenegdo et on la termine avec ça. Il y a une cohésion qui se crée, encore une fois, et c'est ça l'authentique amour. On se construit grâce à ces discussions, grâce à ce lien qui va sortir, parfois même grâce aux disputes qui vont sortir. Alken Ramza Torah, chez Binyan Abayit Enoshi, c'est pour ça que la Torah nous dit en allusion que la construction de cette maison humaine, de ce foyer, d'avariesh lo regesh, achen vatiferet, quelque chose de merveilleux, il y a un sentiment de grâce, chez trunayot ternela, qui est une qualité encore plus élevée que le regesh apashut, comme je disais, le romantisme, chez la echachativi, chez le charba lechaim. Quand j'ai entendu une fois quelqu'un qui m'a dit, c'est quand même impressionnant que, voilà, un chien avec une chienne, un dauphin avec une dauphine, un arabe avec un cafard, et au bout du compte, Am Israël, encore une fois, dans son lien avec son épouse, mais ce sont des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Ou Menou, Yale Adam. De cela va s'élever l'être humain. Il y a un rapport de parole. Je me rappelle, au collège, j'avais une prof, une Goya, qui avait dit que la seule différence entre les êtres humains et les autres animaux, parce que je vous rappelle qu'elle m'avait expliqué qu'effectivement l'homme est un animal, pas, et c'est connu évidemment que pour les goïms, il descend du singe, ce qui est tout à fait légitime, c'est vrai. En tous les cas, le fait est, c'est qu'elle m'avait dit que la seule différence entre les hommes et les animaux, c'est que les êtres humains prennent du plaisir dans l'intimité. Et je suis navré de cette expression, mais ça vous montre bien à quel point c'est scandaleux. C'est absolument abject. Le lien qui se relie entre un homme et une femme, je peux l'avoir démontré justement, eh bien, ce qu'il a de particulier à la différence des êtres, donc des êtres vivants, des animaux, c'est que justement, il n'est pas confiné dans cette notion d'intimité, encore une fois, qui est tout à fait légitime, mais il n'est pas confiné que là-dessus. Il construit beaucoup plus que ça. Ou mimenu yale à Adam et l'argasha yot terbeiri. Qui l'amène encore une fois quelque chose de beaucoup plus élevé. Au-delà des frontières naturelles vulgaires, grossières, basses, gasses, qui ne seront au bout du compte que eh bien, le strict minimum. On n'a pas une seule fois dans la Torah eh bien, les mots doux que se sont échangés Abraham et Sarah. Et pourtant, il est évident qu'il y en a eu. Entre Yaakov et Rachel, entre Yitzhak et Rivka, il est évident qu'il y en a eu. Par contre, on est certain d'un truc. Parce qu'on le voit, on le sent, on le perçoit. On sait que les Avot ont aimé les Imaot. Et pourtant, on n'a pas toutes les cinq minutes, et certainement pas en public, push, couche, mon sucre d'orge. Moi, je me suis rendu compte que souvent, cette problématique-là, eh bien, plus, comme j'ai envie, excusez-moi l'expression, c'est comme les frites McCain, on disait à l'époque.
plus on en montre, plus on en parle, moins on en mange. Bah, plus les gens, au bout du compte, ils ont besoin d'avoir ce genre d'expression extérieure, publique, d'affection et d'amour, parfois ça cache d'avoir un problème à l'intérieur. Alors, quand il y a justement une claire cohérence dans un couple, il n'y a pas, je n'ai pas dit que ce n'était pas nécessaire, mais certainement pas, encore une fois, de manière dithyrambique et certainement pas en public. Il y a une cohérence, il y a une droiture, il y a une honnêteté. Il y a une véracité, encore une fois, dans le lien qui vous relie à votre épouse. Et la preuve en est, entre parenthèses, pour les quelques couples que je connais, quand je pense là, je vois Arié parce qu'il est là, mais c'est vrai pour n'importe quelle épouse, quand je vois votre épouse, je pense à vous. Parce que justement, il y a cette cohérence. Et pourtant, parce que j'évoquais Levana, j'ai eu le privilège d'enseigner à Levana, la femme de Arié, connaît seulement un peu la Torah, c'est pas pour ça justement que je la vois en tant que Levana, je la vois dans cette cohérence avec son mari, avec Arié. Pour ne citer qu'elle. C'est exactement cette problématique-là. Ce lien d'affection, ce lien d'amour que vous constituez, et justement, il est dans cette unité que vous mettez en place. Rav, vous allez nous faire rougir, Rav. Je ne peux pas mettre la caméra quand on rougit comme ça. J'espère que vous avez compris l'idée. Donc, quand on dit effectivement, est-ce qu'on parle d'amour, il y avait évidemment un risque et un danger qu'on touche des terrains glissants, surtout en public, mais j'espère que vous avez bien saisi que le fond de ma pensée, c'était justement de bien mettre en évidence que oui, ce lien d'intimité existe, mais ce n'est pas lui le déclencheur de cet amour, ce n'est pas lui, au bout du compte, le point crucial de cet amour, mais c'est beaucoup plus élevé que ça et beaucoup plus profond que ça. Et ça va ensemble. Quand on a justement cette élévation-là, alors il est évident que le lien qui vous relie aussi physiquement prend encore plus de valeur. Abota, est-ce que c'est clair? C'est clair. Y a-t-il des questions? Non. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Bonne soirée.